Hello mes girls, j'espère que vous allez bien les filles, que vous avez bien dormi. Moi, toute la nuit, j'étais en vacances là. J'étais aux Maldives en fait. J'ai bronzé, je suis revenue. Non, ça, regardez comme c'est canon. Bon dimanche, de bien vous reposer, de bien profiter de vos enfants, activités, etc. Il est midi et demi. Donc, on a un peu traîné. Tous les petits ont déjeuné ce matin, etc. etc. Moi, j'ai rien mangé. J'avoue, j'ai mal au ventre, j'ai faim. Mais je sais pas quoi manger. En fait, j'ai trop envie de déjeuner. Genre, j'ai grave envie de me faire un lait avec des tartines. Mais j'ai pas envie d'aller de l'autre côté ici. Genre, j'ai pas envie. Donc, je résiste là depuis tout à l'heure. Je sais pas quoi manger en fait. J'ai envie de sucré, mais je sais pas de quoi. Bref, aujourd'hui, les filles, c'est dimanche. Je vais sortir les petits. Je vais les emmener jouer. Je vais les emmener dans un petit truc où ils vont jouer, ils vont s'amuser et tout. Voilà, le dimanche, c'est. Enfin, le week-end, c'est les enfants. Le mercredi et le week-end ici, c'est les enfants. Vraiment, je leur fais des activités. Soit on va à la piscine, soit on va au parc. Oui, c'est trop beau. Attends. Oh my God! Où on mange dehors? Dehors. Tu veux manger quoi dehors? La police. Un hamburger, bon, je sais pas, on verra. Alors c'est vrai les filles que je reçois souvent des messages de filles qui vont bientôt s'expatrier ou de filles qui vivent sur. Bon les filles, comme je vous ai dit, je mange que maintenant. J'ai mis les petits au lit là, c'est bon, ils dorment. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Là je mangeais des pâtes mais j'essaie de pas trop beaucoup manger parce que pâtes le soir, voilà quoi, on sait les filles. Bref, moi de toute façon j'ai pas tardé à dormir parce que vraiment hier j'ai dormi trop tard. Du coup quand je suis rentrée j'ai fait une sieste et ça m'a décalé toute ma journée. Je déteste ça. Je dépose des petits à l'école, après je vais à la Dragon Mart, des trucs à aller acheter là-bas, une gueule parce que j'ai pas fait la mienne, des crocs pour les petits. Et je vais se trouver des draps aussi pour les petits. Et voilà, c'est tout. Et après. Mais j'ai trop la flemme à chaque fois. Je me dis, je vais le faire, mais demain je le fais. Mon programme de demain. J'ai refait mes ongles ici entre temps. Bon, même si j'ai dormi toute la matinée, je suis très organisée, je trouve. Franchement, j'aime beaucoup. Du coup, entre temps, j'ai fait mes ongles. J'ai fait du rose laiteux. Avant, j'avais du blanc laiteux. Mais je les avais tués avec la bouffe, tout. Ils étaient jaunes. Ça me dégoûtait. Là, j'ai fait du rose laiteux. Je sais pas si ça existe, mais. Voilà. Rose laiteux, quoi. Et pour demain midi, pour moi. C'est bon. J'ai plus faim. Je vais manger du melon. Les filles, non? Sucré. La crème. Après, je vais aller à la douche. Et je vais dormir, je suis fatiguée. Tu es ma ville?
c'est normal que de bon matin, on mange des chips. Non, c'est pas normal en fait. En plus, ça, c'est pour l'école. T'as brossé tes dents? T'as brossé tes dents ou pas? Oui? Mais pourquoi tu manges alors? J'espère que vous allez bien. Nous là on est en route pour que je les dépose à l'école. Aujourd'hui les filles c'est la soirée pyjama. Du coup bah, ils sont pas en uniforme, ils sont en pyjama. Donc ils sont trop contents. Et voilà hein, les filles. Après moi je vais à la Dragon, je les débarque. Et qu'est-ce que j'allais vous dire les filles, voilà hein. Voilà. Très important aussi que je voulais vous dire. Demain on y va mon cœur. Sachez les filles que ça fait que les petits n'ont plus la sucette. Genre je suis trop fière d'eux, ils dorment sans. Enfin il y en a plus. De toute façon à la maison il y en a plus. Ils les ont toutes perdues. Ils les jettent par le balcon. Il y en a plus du tout à la maison. Du coup moi je me suis dit c'est quoi? Finito pipo. Il n'y a plus. Et c'est le moment ou jamais. Donc du coup là ça fait 3-4 jours les filles qu'il y a plus. Il la réclame, certes, mais il s'en passe. Et franchement, je suis trop contente les filles. Je suis trop contente. Vraiment, vraiment. Quoi? Non, t'as pas trouvé. Eh ben tu sais quoi? Maman, elle va t'acheter un gros cadeau. Parce que tu prends plus la sucette parce que t'es plus un bébé, maintenant t'es grand. Ok? Dis-moi, tu veux quoi je t'achète? Dis-moi, tu veux quand mal t'achètes? Ah bah la Dragon Mart, je t'achète mon cœur. Regardez les filles, la pyjama partie, c'est trop bien. Et... allez, je rentre. Hein, je m'en... Par contre les filles, la chaleur dehors, c'est... oh my god, vraiment. Les filles, je suis arrivée. Mais je suis KO. Bon, c'est encore fermé les filles. Regardez les filles, j'ai trouvé un stand de Crocs. Trop bien. C'est bon les filles, j'ai pris les jaunes à Kaysan et les noirs à Imran. Qu'est-ce que je pourrais prendre les filles pour Kaysan? Regardez comment ils sont trop mignons les pyjamas, les bobos. Je vois une petite fille habillée comme ça, les filles, mais comment je kiffe. J'aime trop les imprimés fleuris pour les... Regardez les filles, un stand. Bon, je vous montre que à Dragon Mart, il y a tellement de tout, les filles. Moi, je kiffe les stands pour la maison, genre, vous voyez. Où ils vendent des ustensiles pour la maison. C'était hier, comme ça. Regardez les filles, là, c'est un magasin où il n'y a que des déguisements pour les... déguiser les petits. Là les filles, me faut des draps pour l'école, mais je trouve pas. Enfin, il y a plein de magasins de draps, mais il n'y a pas genre des petites tailles. Taille pour les enfants. Ni là ici après, je fais demi-tour. Regardez les filles, là c'est un magasin où ils vendent que des jouets. Regardez, même des petits livres et tout, c'est trop. À partir de quel âge? Franchement, c'est trop bien. Regardez les filles, en plus c'est que des jouets en bois. J'aime trop. Ah, regardez, c'est trop mignon. Pour apprendre à faire les lacets. Ah, regardez les filles. Là pour apprendre les pays. Il y a un magasin de vaisselle ici. Franchement, leur vaisselle, elle est canon. Genre vraiment hyper belle. Regardez. Les tasses à café. Trop, trop belle. Regardez les filles, les miroirs, comment ils sont canons. Même celui-là, il est archi beau. Les filles, à chaque fois, vous me demandez, ils viennent d'où mes draps? Il y en a plein qui viennent de chez Dragon Mart. Vous avez pour le matelas, pour les... Full set? Yeah, this also full set. Duvet cover, bed sheet, pillowcase. J'aimais bien celui-là, avec les petites fleurs. This one 120. Bon,
les filles, du coup, c'est bon. J'ai acheté. J'ai tout acheté, les filles, sauf les draps pour les petits pour l'école. Parce que vous savez, après manger, ils font la sieste. Et du coup, l'école, ils veulent qu'on ramène des draps. Donc, ce qui est normal. Comme ça, ils se couvrent et tout. Voilà quoi. Du coup, les filles, je vous disais, j'ai un coup de barre. Après, j'ai pas mangé. Donc, je sais que ça y joue. Que du coup ça fatigue parce que je suis à jeun, j'ai à part boire de l'eau, j'ai rien fait. Donc il me faut peut-être un petit coup de boost là. Bref, là je rentre à la maison, j'ai tout acheté les filles sauf des draps pour l'école. J'ai pas trouvé des draps d'enfants en fait. Faut que j'aille à Ikea, mais franchement trop la flemme. On verra. Bon, là les filles, il faut que je mange. Je sais pas quoi manger. Unité de thon à la sauce tomate. J'ai pas d'harissa, je sers par contre. J'en ai acheté. Allez là. Je vais le faire griller. Tellement bon les filles. Bon. On va faire la tartine tomate. Et on se faisait des sandwichs avec de l'harissa. Qu'est-ce que c'était bon. Quand il n'y avait rien à manger, on faisait ça, c'était incroyable. Avec beaucoup d'harissa bien sûr. Sinon c'est nul. D'ailleurs je suis trop bête parce que j'ai oublié de sortir la viande, les filles, le couscous, là je l'ai sorti. Donc je vais laisser décongeler un peu parce que bon, faire à manger avec une viande congelée, c'est pas. J'aime pas. Je trouve que c'est trop long à cuire. Genre, le poulet, c'est en 2-2. Et même, je préfère le poulet en vrai, mais bon. Avec le couscous, je me suis dit, bon, vas-y, je vais faire ta viande. Trop bon. Chez vous, il est midi. Je traîne un peu. J'ai un morceau. C'est comme toutes les autres. Donc. Avant, les filles, je n'osais pas faire un couscous parce que je me suis dit c'est trop dur et tout. Mais en vrai, elle me dit, les filles, c'est trop facile. Je vais faire tous les trucs comme ça. Un couscous, je les donne dans le lait. De toute façon, on va le faire ensemble. Les filles, je viens d'ouvrir. Vous savez, le truc que j'ai ramené de Tunisie, là. J'avais même pas vu qu'il y avait tout ça. Regardez, ils m'ont même mis un gant. Oh, ma grand-mère, elle fait délirer. Du kamoun, c'est du curcuma, piment. Ça, c'est quoi? Du poivre? Mamie, du poivre? C'est du poivre, ça. Maman, je viens d'ouvrir le paquet parce que je l'avais pas ouvert. Maman, c'est quoi ça? C'est quoi? C'est de la harissa? Et ça craint pas que je l'ai pas mis au frigo? Parce que je viens à peine d'ouvrir là. Couscous, les filles, qui vient tout droit de Tunisie. C'est ça. Regardez. Là, les filles, on fait avec les moyens du bord.
Alors, elle m'a mis ça aussi laissé, mais je sais pas du tout c'est quoi. On dirait du thé, non? Je sais pas c'est quoi. Je vous demande à vous aussi, mais je sais pas. Bon, les filles, là, j'ai découpé, lavé tous mes légumes que je vais mettre dans mon couscous. Donc là, vous avez de la courge, potimarron, comme vous voulez, pommes de terre, courgettes, carottes, piment. Là, on a l'harissa. Ok, les filles. Tout revenu de Tunisie. Ou de couscous. Allez, c'est parti, les filles. Bismillah. Là, je mets mon huile d'olive. Je vais mettre de l'huile de tournesol. Là, les filles, j'y ajoute 3 piments que je vais venir faire frire. On retire, les filles. J'ajoute ma viande. Donc faire avec viande ou poulet, les filles, hein, c'est pareil. C'est vous qui choisissez. Allez, si je prends un peu d'harissa maison. Voilà, les filles, en attendant que ça mijote, j'ai commencé à vider... mes trucs là que j'utilise, c'est du table, c'est juste que ben, je crois qu'il n'y a pas la même couleur, peut-être parce qu'il est plus ancien, je sais pas, par dessus. Voilà, ici j'ai fini, j'ai tout mis dans des, regardez, il est pratiquement rempli, hein. Et ici, je vous jure, j'ai reçu cette question 3 fois par jour, tous les jours. Alors je vais y répondre, comme ça vous arrêtez de me la poser. Alors, bah oui, j'aimerais bien ici, mais pas maintenant. Genre, laissez-moi respirer, laissez-moi profiter, laissez-moi voyager. Pas maintenant, genre, là j'ai quel âge ? J'ai 23 ans. Genre, je sais pas, vers... je sais pas, mais pas maintenant. Genre, dans 5 ans... Peut-être 5 ans, c'est beaucoup. Non, 5 ans, c'est bien. Peut-être un peu moins. Je sais pas en fait. Merci les filles. Et en fait, j'ai jamais cuisiné avec ça. Ma mère m'a dit que c'était pour le poisson, pour le morli si j'en faisais et tout. Donc je l'ai mis au fond parce que je sais que j'ai pas utilisé tout le temps. Cuisiner. C'est juste que j'ai la flemme. Mais je vais vous partager pas. Il m'a fait trop rire. Franchement, non, c'est vrai que c'est pas pour vanter ou quoi. Après, parce que je suis tunisienne, je dis ça, mais je vous jure que mon couscous préféré, c'est le couscous tunisien. Et le préféré, mon préféré est celui au poisson. Genre, vous allez dire, mais elle est malade, elle. La prochaine fois, j'essaierai de le faire. Je demande à ma mère la recette parce que peut-être c'est différent là. Vu que c'est du poisson et tout, à mon avis, c'est différent. Mais qu'est-ce que c'est bon, le couscous au poisson, les filles. Oh my god. Oh, incroyable. Finalement, j'ai laissé poser 30 minutes parce que vu que j'ai un gros morceau de viande, j'ai laissé poser 30 minutes. Maintenant, les filles, on va venir ajouter les légumes les plus rapidement. Voilà, les filles, ça ressemble à ça pour l'instant. Alors, les filles, il faut sacher. J'aime trop dire ça parce que je dois sur TikTok. Bref, il faut que vous sachiez, les filles, que là, j'ai cuit. Avec de la viande. La viande, c'est plus long à cuire que le poulet. Donc, les filles, si vous faites au poulet, mettez pas cuire 20-30 minutes, sinon votre poulet, il va s'effiler. Ok, les filles? Ça, c'est parce qu'en fait, j'ai fait à la viande, et vu que la viande, c'est long à cuire, c'est pour ça que j'aime pas cuisiner la viande, eh ben, je laisse poser 30 minutes. Ne vous inquiétez pas. Je vais m'occuper de mon couscous. Alors, les filles, il faut vraiment que je m'achète un grand plat, parce que le plus grand truc que j'ai, c'est ça. Je viens recouvrir d'eau tiède, les poser un peu après de faire ça. C'est hyper bon. Ça, je laisse poser un peu. Bon, les filles, sachez que j'ai trop fait de couscous, donc ne faites pas la même erreur que moi. Regardez, j'ai vidé tout ça déjà. Il y en a trop. Bref, là maintenant, les filles, on vient... Je vais racheter le couscous là, mais avant, les filles, faites ça. Merci. Parce que la vérité, c'est trop dur à nettoyer. J'ai ça en trop, mais bon, c'est pas grave.
C'est pas perdu. Je ferai le matin pour les petits, vous savez, avec du lait et du sucre. De la gomme. Des grenades, là, je me trompe, c'est trop. En attendant, les filles, je nettoie ma phobie. Je surveille la cuisson, les filles. Un piquant. Regardez, les filles, j'ai retiré mes pommes de terre parce que ça, elles sont cuites et ça commençait un peu à s'abîmer. Mais là, ça est, dans 2 minutes, j'éteins les filles. Je jette. Ce message il m'a fait trop rire. Bon, ça, les filles, le couscous, il est pris. Je vais aller mélanger la sauce et tout. Mais je vous jure que c'est vrai, les filles. C'est pour ça que je vous dis, ne perdez jamais espoir. Moi, je me suis mariée, je ne savais même faire des pâtes. Je ne savais pas, je faisais des recettes. Elles sortaient de ma tête. Un jour, les filles, j'ai essayé de faire des lasagnes. Mais vous allez me moquer de moi. J'ai essayé de faire des lasagnes. Attends, il y avait quoi dedans? Chèvre épinard, les filles. Je suis pas froide, j'ai fait ça. Mais je faisais n'importe quoi. J'ai eu un peu après le thermomix, les filles. Hein. Ouais, je crois que j'ai eu un peu après. Et ça m'a changé la vie, la vérité. Et après, j'ai appris petit à petit à faire les trucs rebeux, les pâtes et tout. Mais je vois, en vrai, c'est trop facile. Après, en vrai, c'est facile sinon. Bon, les filles, là j'ai mis mon couscous, mes graines dans un saladier. Comme je vous ai dit, c'est le plus grand plat que j'ai vraiment. La prochaine achat, les filles, de la vaisselle, de la grande vaisselle en fait, là-dedans. Vous voyez, les filles, la sauce, comment elle est un peu épaisse, mais pas trop. Les filles, j'ai oublié un truc très important dans le couscous, c'est les pois chiches. Si vous avez des pois chiches, les filles, mettez-en, c'est trop léger, mais je suis trop fière de moi. Bien, ça met un peu de temps à absorber. Là, je pense que bon, ça sent bon pour les ingrédients, mais bon, le table sauce, on va laisser à tartin bon. Voilà, les filles, regardez. Et voilà, les filles, mon couscous. Je vais laisser là. Et... les filles, mes fils, ils sont rentrés. Marianne est partie chercher parce que moi, je peux pas prendre mon couscous. Je pouvais pas. Donc, je l'ai resservi. Viens. 1, 2, 3. Je l'ai servi et il va... Mran, il va donner son avis. Ok. Bon appétit, mes fils d'amour. Kaysen, il se régale déjà. C'est bon ou pas? Ma vie. Un poteur. Un poteur. Incroyable. D'accord. Moi, les filles, moi, je trouve que c'est pas du tout piquant. Bah, c'est un peu relevé. Mais Brian, il dit que ça pique un peu. Mais bon, de toute façon, il faut que ça s'habitue. Les filles, moi, je que c'est un vrai Tunisien, mon fils. Donc, tu manges, Imran. Ça pique. Et ça, c'est le piment. Ça pique. Parce que il faut pas manger ça, maman. Ouais, ça, c'est pour les grands. Hello. Je me suis. Casser le ventre en tout cas. C'était trop la flemme. Je vais me poser devant la télé. C'était très bon. Demain. Je crois que j'ai jamais mangé le couscous au poulpe. Mais c'est gentil ma chérie. Et ouais, il me faut de la vaisselle urgent là. Mais vraiment, je vais. Non, pas demain parce que demain c'est mercredi. Demain je suis avec mes fils. Jeudi, je vais faire un tour pour la vaisselle. Bon, ben, je crois que je vais devoir créer un compte, les filles. Purée, je suis dégoûtée. Vous bail, regardez Netflix sur ce compte-là, tu vois. Oh là là. Les filles, j'ai payé. Et leur truc, là, ils font chier. Hein.
Les filles, bon, je me suis douchée, les filles, j'ai mis un petit pyjama. Du coup, le film, je ne l'ai pas terminé, je vais le mettre après, mais. Voilà. Là, je suis dans Secret Story, alors je ne sais pas vous, mais moi, ça m'inspire pas du tout. Genre, j'ai pas regardé un épisode, là, je sais pas, c'est. J'ai mis la télé à ça. Ma chienne. Ah, t'es. Oh, comment elle va? Bon, là, les filles, on descend à la voiture chercher les trucs que j'ai acheté à Dragon ce matin. Je les ai laissés dans la voiture. J'avais trop la flemme de les monter. Avec Imran, on y va. Je sens trop ballonné. Genre, oui, la sensation quand t'as trop mangé. Super mal au ventre. Imran, il a mis ses crocs à l'envers. Bon, j'ai acheté deux jeux parce que j'ai pas trouvé grand chose, mais j'ai acheté ça, les sœurs, regardez.